Le chant vaut bien plus que 1000 mots et vaut bien plus qu'un seul mot aussi. Yeah.
sur le direct que j'ai fait, sur un chant improvisé, sur un thème improvisé. À quelle origine était le chant? En fait, il n'y a pas d'origine et il y a aussi toutes les origines. D'un lieu à un autre, d'une personne à une autre, le chant se développe, s'exprime, s'expande au-delà des cultures, au-delà des conditionnements, au-delà des connaissances que l'on peut avoir sur le chant. Même si je viens du chant de la tradition orale, des chants sacrés, mon chant provient du cœur de mon homme. Il se relie au vivant, il se relie à l'instant présent, il se crée à partir de l'instant présent. Il se déroule telle la vague, qui n'a de cesse, dans un flux constant d'aller et de venir, d'inspire et d'expire, de mourir et de renaître à soi. C'est le secret de la vie, peut-être. Peut-être que c'est ce que nous devons apprendre tous et toutes à faire. Apprendre à mourir à nous pour renaître à plus et dérouler le soi, le fil de soi. Et lorsque le chant prend sa source depuis le cœur du cœur, alors il devient guérissant, guérisseur. Alors il peut guérir. Alors il peut harmoniser. Alors il peut pacifier. Alors il peut extraire aussi la quintessence de ce feu qui brûle au cœur du cœur de nos cœurs. Extraire cette quintessence et la laisser remonter doucement à la conscience de l'être, de l'individu, de la personne. Telle est mon œuvre au travers de ce champ qui me traverse et que j'offre, même s'il ne m'appartient pas. Parce que lorsque le doute m'assaille, c'est le champ qui me porte, ancré aux racines de mon âme. Il ne m'appartient pas. Il traverse les siècles pour s'offrir à qui il veut. Il traverse les siècles pour s'offrir à qui veut, comme une immense vague entre inspire et expire. Pour enfin s'offrir à qui veut, car ne sommes-nous pas venus en ce monde pour offrir le meilleur de la graine? Le meilleur de la graine, si ce n'est à nous-mêmes. Oser accueillir le meilleur de cette graine que nous sommes et la laisser s'expandre, se déployer, s'offrir dans ce monde, à ce monde. C'est ce que je nous souhaite à chacun et chacune. Oh.
c'est joyeux. Avec ton chant, avec mon chant. Danser et rouler le long de la rivière du vivant. Parce que ton chant n'a besoin de rien d'autre. Il a juste besoin que tu lui offres ton lit, ta rivière. Tu es le lit et tu es la rivière lorsque tu laisses chanter ton chant. Les amis, je vous embrasse. Gros bisous tout le monde, prenez soin de vous. Tiens, si je vous faisais une petite visite. Coucou Amina. Je vais vous faire visiter où je suis. Ça vous dit? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait chouette. Je vous fasse découvrir ce petit coin de paradis où je me trouve pour quelques jours. Certaines personnes savent déjà où je suis, connaissent cet endroit. Alors, je déambule dans les ruelles et je me laisse porter et guider. Je vous amène. Il y a du monde.
Elle est super, c'est la vue. Une des vues plongeantes. Allez. Pas du tout les Charentes. Pas du tout. Je suis à 3h30 de la maison. Sachant que je vis en Ariège. Vous entendez passer Yomas, les paroles, le langage. Je suis sur la Costa Brava, les amis. Dans un endroit qui a gardé son authenticité. Ceux qui veulent savoir, je vous le dirai en MP. Jamais garder les lieux secrets. Il y a quelque chose de particulier, je ne sais pas si je vais réussir à montrer ça. Je vais vous montrer, c'est ça, attendez, je vous y amène. Donc c'est la cathédrale qui surplombe la ville de Cadaqués. Allez, je vous dis où je suis, c'est Cadaqués. Bon. Les églises, je les aime pour laisser résonner ma voix. Le problème, c'est que maintenant, beaucoup de musique. De la musique souvent dans les lieux comme ça, il n'y a plus moyen de trouver le silence. Mais regardez ça, c'est pas mal, cette salle. Comme si c'était une salle de soins. Merci Amina. J'aurais fait un chant là s'il n'y avait pas ce fond musical qui n'a rien à voir avec le lieu. Sur la musique en arrière-fond. Encore une fois, moi, ce que j'aime dans les églises et les cathédrales, quand je sens d'y entrer, de pénétrer, c'est l'acoustique. C'est la seule chose qui m'attire. Et là, je vois qu'il y a deux dames qui viennent d'arriver parce qu'elles ont entendu le chant. Ah ouais, ils sont curieux, mais ils n'osent pas venir. Thank you.
les amis. Je vous laisse sur ces images. Je vous embrasse. À bientôt.